Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un nouveau thème sur les tailleurs. Les tailleurs n'est plus destiné qu'au monde du travail. On peut en faire une tenue vestimentaire fashion. Il suffit de regarder les magazines, mais d'ailleurs encore, c'est fort dommage parce qu'il n'y a que dans les magazines que je vois les filles porter les tailleurs pantalons ou les pantalons jupes en les détournant de mille façons. Donc, moi, les tailleurs, j'en ai plein dans mon dressing, qu'ils soient blanc, jaune, rouge, j'en ai pas mal parce que je les porte autant en été qu'en hiver en les associant avec des baskets, des tennis, des espadrilles, des escarpins. Vraiment, on peut tout oser. Mais par contre, je joue beaucoup avec des t-shirts imprimés ou imprimés messages et beaucoup des chemisiers masculins, des chemisiers à rayures ou à fleurs. Donc j'évite des t-shirts unis pour éviter un peu le côté classique, parce que n'oublions pas quand même, un tailleur reste classique. Donc pour enlever ce côté classique, il faut beaucoup jouer avec des accessoires. Vous pouvez piquer le tailleur à votre épouse si évidemment il est fashion, ou prendre un tailleur, une taille au-dessus. Les filles, donc dans votre dressing, sortez votre tailleur, allez-y dans les soirées avec, prendre avec des copines, aller à un dîner en amoureux. Jouer avec les tailleurs. Maintenant, en 2018, on est audacieuse. On joue avec sa tenue vestimentaire. Tout est permis, même les gros baskets qui reviennent à la mode. C'est pas trop mon truc, mais vous voyez comme quoi la mode, c'est juste un jeu. Donc, jouez avec vos tailleurs. Puis, n'hésitez pas de me laisser vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. J'attends vos critiques. Surtout, je vous fais plein de bisous. Let's go.